Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini formation où j'ai à cœur de partager cela avec vous. Parce que lors d'un webinaire, lors d'un webinaire, pardon, il y a un étudiant qui m'a dit, un de mes étudiants me dit, Géraldine, s'il te plaît, comment faire pour partager une publication dans un groupe avec le profil de ma page. Alors, j'ai eu à cœur et j'ai décidé de venir parler de ça avec vous ce matin. Alors, qui suis-je? Je suis Géraldine Ouakam, comptable de formation. J'ai migré vers le digital il y a quelques mois et aujourd'hui, j'ai mis sur pied le concept PDVL. J'ai mis sur pied le concept PDVL qui permet aux e-commerçants, aux entrepreneurs, aux entreprises de promouvoir leurs services, leurs produits, afin d'augmenter leur visibilité en ligne. Alors, si tu es là aujourd'hui et que tu as ce problème de visibilité, tu es sur la bonne voie. Alors, j'ai donc dit que je vais partager comment faire des partages, comment partager une publication avec le profil de ma page dans un groupe de vente. Vous voyez, je décide par exemple de partager ceci, de partager cette publication dans un groupe de vente et de dire voilà, d'augmenter ma visibilité. En fait, l'objectif ici, c'est non seulement de promouvoir tes produits, tes services et d'augmenter ta visibilité. Tu vois, c'est d'augmenter ta visibilité, de promouvoir, d'avoir plus de vues, de gagner des abonnés organiques. Vous voyez, de gagner des abonnés gratuitement. Parce que quand ils vont voir un très bon contenu avec le profil de ta page, ils vont s'abonner. Vous voyez. Donc, j'ai donc décidé donc de partager cela avec toi sur ma chaîne. Voilà. J'ai décidé donc, reste connecté. Lors de ma masterclass récemment, il y a une dame qui est venue vers moi et m'a dit, Géraldine, comment tu fais pour partager une publication dans un groupe Facebook? Comment tu fais, s'il te plaît? Tu peux avoir ta stratégie, je peux avoir ta méthode. Je lui ai dit, oui, maman, c'est possible. C'est même pas compliqué. Elle me dit, ok, comment donc? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, ok, maman, si tu m'écoutes, il faudrait donc regarder cette astuce-ci qui va certainement t'aider et partage autour de toi pour aider aussi un certain nombre de personnes. Alors, quand tu te trouves, tu te rends sur ta page, voici ma page, propulseur de visibilité en ligne. Me voici là, voilà, voilà ma page, voilà. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ta page, à cette page, bien vouloir t'abonner. Donc, voilà ça. Ok, je dis. Voilà, voici ma page. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je cherche par exemple à partager cette publication dans un groupe. Récemment, on a vu comment intégrer un groupe avec le profil de sa page, avec le profil de ma page. Donc, pour vérifier, tu viens ici. Vous voyez là, il y a plusieurs options. Il y a partager avec. Vous allez voir sur Twitter. Donc, c'est possible aussi d'être sur Facebook et partager directement sur WhatsApp. C'est possible. Dans vos groupes WhatsApp. Mais ceci se fait uniquement avec la version ordinateur. Uniquement. Donc, je répète, il est donc important de partager, d'appliquer cette astuce pour augmenter votre visibilité et de gagner des faux abonnés. Généralement, ce que je vous donne là, on les donne généralement dans des formations payantes. Et moi, j'ai décidé de vous partager cela de façon gratuite. Et n'hésitez pas à partager aussi autour de vous pour aider les e-commerçants et les entrepreneurs à gagner cette astuce très capitale. Donc voilà, tu as la possibilité de partager directement sur Twitter depuis ta page Facebook. Maintenant, tu as aussi la possibilité de partager sur une page et de partager dans un groupe. Donc, pour ce faire, donc, tu viens là, tu cliques sur plus d'options,
tu plus d'options, voilà ça. Tu cliques là. Tu cliques partager dans un groupe ou bien partager sur une page. Si tu veux partager sur une page, voilà les pages. Ça va te montrer les pages auxquelles tu es administratrice ou administrateur. Voilà, tu peux partager. Ou alors, tu veux partager avec dans un groupe, tu cliques juste là. Quand tu cliques là, ça va te montrer les groupes. Les groupes. Tu vois? Maintenant, je décide, OK, je vais partager cette publication dans le groupe Vide Dressing Mass Simil. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste cliquer là. Vous voyez, je vais cliquer là. Je vais cliquer là. Si je veux écrire un message, vous dites, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Ou alors, contenu. Ou alors je mets formation très importante ou alors très significant ou alors très importante pour vous débutants en ligne. Et si tu ne veux pas écrire, tu peux juste partager hein, pour vous débutants en ligne. Voilà. Voilà, tu cliques là, publier. Voilà. Maintenant, si tu veux vérifier, tu peux te rassurer qu'effectivement, elle a été publiée dans le groupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste là, tu fais la recherche, tu vas voir le groupe là, tu actualises, tu vois ta publication. Voilà, tu actualises. Voilà ça. Voilà notre publication là. Voilà notre publication à l'instant. Voilà ça. Donc voilà le et voilà ma page. Vous voyez, j'ai publié avec ma page. Alors que par contre, beaucoup publient avec leur compte personnel. Beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas cette astuce. Donc, partage au maximum autour de toi pour aider ces gens-là aussi. Vous voyez, beaucoup là sont des comptes, des profils personnels. Donc, voilà notre publication qui a été faite avec le profil de notre page. Voilà. Donc, les amis, retenez qu'il est vraiment important de pouvoir pratiquer cette astuce. Il est vraiment important. Parce que si vous avez ce problème de visibilité, personne ne vous connaît, il n'y a pas de like. Allez dans les groupes, partagez vos publications avec le profil de votre page. Ça, c'est ce qu'on appelle la vente gratuite avec Facebook. Augmentez votre visibilité. Moi, je travaille beaucoup plus sur la visibilité des e-commerce, sur la visibilité des entrepreneurs. Donc, si tu as ce problème-là, si tu veux aller plus loin, contacte-moi. Alors, je t'ai donc montré cette astuce et je t'invite à lire les précédentes que j'ai publiées et partage autour de toi pour aider aussi les autres à bénéficier de cela. Donc, je t'invite, si tu veux aller loin pour plus d'informations, pour plus de formations, n'hésite pas à prendre contact avec moi et n'hésite pas de partager cela, cette publication autour de toi pour toucher. Pour informer les autres. Ne prends pas toute ta souffrance au salon. Partage. Partage au maximum. C'était tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. Demain, nous nous retrouvons dès 9h pour une autre astuce. Mais ne rate pas le rendez-vous. Partage autour de toi et demain, nous en parlerons encore davantage. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser dans le chat et ensemble, on va corriger. Merci pour ton attention et à demain pour la prochaine édition. Merci.